Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo, j'ai acheté des jigs sur AliExpress. C'est la première fois que j'en commande sur AliExpress en fait. Habituellement, je les achète ici en France, hein, que ce soit à Decathlon ou dans les commerces près de chez moi. Mais bon, je trouve que c'est relativement cher quand même, hein. On tourne dans les alentours de 4 à 6 voire 10 euros pour certains. J'ai plusieurs boîtes, hein, avec mes grammages différents, hein, avec mes petits, mes moyens, mes gros, mes plus gros, c'est pour la pêche en bateau, tout ça. Donc j'ai des boîtes avec des grammages comme ça, et ma boîte avec les grammages en 21-22 grammes, c'est les grammages que j'utilise le plus en fait, et ben, j'en avais plus beaucoup, je vais pas vous mentir. Voilà ma boîte. Il en reste 3 dedans. Il en reste 3 dedans, donc voilà. Donc j'ai trouvé un lot là pour 25 euros sur AliExpress pour 22 pièces. Et en cherchant en fait sur AliExpress, je suis tombé sur des petites pépites là, des casting jigs, des spintails, pas mal de petites choses que je commanderai l'année prochaine, que j'ai mis dans mon panier. Donc ouais, je pense que mes jigs maintenant je vais les prendre sur AliExpress. Hein. Après là c'est un petit lot où il y a un petit mélange de quelques couleurs. Je sais que ça fonctionne, hein, parce que j'ai des potes qui en achètent et ils font carton, quoi. Et puis un jig, de toute façon, ça prend. Que ce soit le jig, lame, ça prend. Donc voilà, donc là, petit lot, donc il y a un peu de tout en couleur, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma boîte ici pour la remplir au fur et à mesure. Donc je les ai déjà déballés, hein, donc bon. Voilà, avec triple et hameçon simple. Du simple, hein, basique, hein. 22 grammes, donc voilà, on met de la boîte là ici, un peu différent. Voilà, en 21 grammes, cela. Ensuite, ici, on a encore du bleu ici en 22 grammes, un peu différent. Donc, franchement, il y a beaucoup de coloris de bleu, tout ça, de gris, d'argenté, de Marlboro, mais déclinés de différentes façons. Donc ça permet de remplir la boîte. Et puis j'ai sélectionné quelques lots aussi que je commanderai petit à petit aussi en même temps que les turlutes. Donc ensuite on avait de l'argenté ici. Tout simple. Une valeur sûre, l'argenté. Voilà. Ici. L'argenté, pareil. Donc après vous pouvez prendre avec le triple. Simple ici ou avec le triple avec une plume. Ou sans le... Ah, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc voilà. Impeccable. Là, ici. Voilà. Regardez. Hop. Et franchement, je m'attendais pas à une. Enfin, après, c'est pas des jigs de grande qualité non plus. Hein. On va pas les comparer à des jigs de Caperlin encore. Hein. Mais pour le prix, franchement, ça va. Et pour les pêches que moi je vais en faire. Donc voilà, ici, tout gris avec une petite tête blanche. Sympa. Ça prend du poisson, hein, il n'y a pas besoin de plus. Donc ici, voilà, argenté d'un côté, blanc de l'autre, en 22 grammes. Ça permet de remplir un petit peu la boîte. Et je vais recommander un deuxième lot là en 21-22 grammes. Parce que je vous dis, c'est les grammages que j'utilise le plus. Ça. Donc ensuite, il y avait du jaune. Donc voilà. Les jaunes. Voilà, argenté jaune. Par contre, les tripes, ils piquent bien. Oh là là. Là, on a encore un jaune, j'en avais un en double. Ensuite, il y avait des couleurs un peu noires, argentées, comme ça, ici, dedans. Bon, on verra bien. Là, je suis content parce qu'il y avait également ces couleurs-là, ici. Donc, j'en avais déjà acheté un ici, dans les magasins, et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, ça. Donc, là, dans le lot, j'en avais deux. Donc, moi, je suis content. Voilà. Content, on verra bien ce que ça donne. Ici un coloris un peu orange, je sais pas ce que ça vaut, mais franchement pour 25 euros vous avez quasiment, pour 25 euros quasi 20, ouais, 22 l'heure, donc 22 gigs, hein, alors que normalement avec 25 euros t'en as 5 et encore. Voilà. Donc, coloris Marlboro, toutes sortes. Voilà. Voilà.
Et un coloris qui fonctionne très très bien aussi, mais là malheureusement il y en avait deux dans le lot. C'est le rose qui fonctionne bien. Donc voilà, en 21 et en 22 grammes. Impeccable. Voilà. Donc là-bas, ma petite boîte en 21, 22 grammes, eh ben, elle s'est remplie. Je suis content. Voilà. Parce qu'elle paraissait vide. Elle paraissait vide. Donc après, j'ai toutes mes autres boîtes, hein, mais elles sont suffisamment remplies. Donc je n'ai pas besoin d'en racheter. Hein, tous mes 25 grammes, 30 grammes, 60 grammes, même 100 grammes pour la pêche en bateau et tout. Donc voilà, petite vidéo là, juste pour vous montrer ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On s'abonne, pouce en l'air, on active la cloche de notification. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.